Chacun a des habitudes et des traditions qui lui sont propres. Et celles des bonnes filles et des mauvaises filles sont totalement différentes. Il arrive à tout le monde d'être tête en l'air. Je suis tellement contente que l'on se soit promené. Oh, regarde ça! Quelle trouvaille! Donne-le-moi! Il faut rendre le sac à dos à son propriétaire! Il y a peut-être des choses importantes à l'intérieur! Ouais, tu as raison! Imagine comme cette personne sera heureuse quand on va lui rendre! Ok, prends-le! Merci, tu fais le bon choix! Et ça, c'est mon cadeau! Regarde, chérie! Excusez-moi, vous avez oublié votre sac à dos! Oh, merci beaucoup! De rien! Chérie, s'il te plaît, prends ça! Je vous suis tellement reconnaissante. Il y a beaucoup de choses précieuses à l'intérieur. Où est mon appareil photo? Votre appareil photo? Attendez une minute. Où est Avril? Ah, je pensais vraiment qu'elle avait une conscience. La gentille Abby ne devrait pas trop s'inquiéter pour son amie. Avril est heureuse comme elle est. Bon travail. Vous avez fait une erreur, là. Bien. Abby, c'est très bien, comme d'habitude. Merci, Madame Turner. Avril, qu'est-ce que c'est? Vous devriez être en train de faire l'exercice, pas de jouer à un jeu. Madame Turner, vous devriez essayer. Il est super bien. Oui, allez, Madame Turner. Passez-le. Vous allez finir première. Ne sois pas déçue, Abby. Il faut savoir s'amuser. Entrez! Abby, je vous attendais. Je tenais à vous remettre un diplôme pour votre excellent travail. Oh, merci, Monsieur Hunter! Ouais, tape là! Ça fait longtemps! L'heure de la photo! On dirait qu'Avril s'amuse beaucoup. La veille du test, la gentille Abby révise tellement qu'elle n'a pas le temps de lever les yeux de ses livres. Comment Avril pourrait réussir le test demain? Elle ne révise pas! Tout ce qu'elle fait, c'est jouer à ces jeux stupides! Ne t'inquiète pas, Abby. Avril va bien. Avril, donnez-moi les feuilles. Avril a ses propres méthodes pour avoir un A. Et pour ça, elle n'a pas besoin de passer tout son temps à réviser. Merci. Voyons maintenant si vous avez réussi. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est pas possible. Oui, j'ai un A+. Moi aussi. Quoi? Ne sois pas triste, Abby. Ouais, Abby, on est tous passés par là. Peut-être qu'on pourrait aller au cinéma aujourd'hui. Oh, fais attention! Tu vas bien? Oui, ça va, merci. On verra plus tard pour ce soir. Bon! Avril, la mauvaise fille, ne rate jamais une occasion de faire une blague. C'est son jeu préféré. Je vais prendre de l'élan. Joyeux anniversaire, Rose. Merci beaucoup. Un peu plus. C'est trop gentil de votre part. Presque. Il est temps de faire un vœu. Allez! J'espère qu'il se réalisera. Oups! Bon anniversaire! Oh! La nourriture ne m'apporte que des ennuis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Arrête! Tout le monde fait ça.
Ce n'est pas bien. Hé, parle moins fort. Tiens, prends ça. Très bien. Mais apparemment, Avril ne change pas ses habitudes. Berk, qu'est-ce que c'est? C'est ignoble! Dégoûtant! Berk! Un morceau de papier ne sera pas vraiment utile pour ce tas de chewing-gum. Une fille gentille se fait souvent intimider par ses camarades de classe à cause de sa nature douce. Laissez-moi tranquille! Oh non, c'est la mauvaise fille Avril! Perdue! Comme c'est embarrassant! Elle est peut-être mauvaise, mais elle ne laisse personne faire du mal à ses amis. Avril, merci de m'avoir protégée. Pas de problème, mon ami. Le petit ami d'une gentille fille est toujours un gentleman. Il ne peut pas en être autrement. Chérie, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, chérie, c'est magnifique. Merci. J'ai quelque chose pour toi aussi. La PS5? Je n'arrive pas à y croire. Tu en avais tellement parlé. Mon rêve est devenu réalité. Oh non, chérie, ça va? Abby, tu es la meilleure petite amie du monde. Je t'aime beaucoup. Les méchants ont leur propre histoire d'amour. Oh waouh! Ça me va si bien! J'ai aussi préparé un cadeau pour toi. Attends. Tiens, prends-le. Waouh! C'est... 3 plus 2... La PS5? Chérie, tu es trop généreuse! Toi aussi! Abby, regarde mon nouveau tatouage! C'est pas vrai? Est-ce que c'est un vrai? Cool, non? Ça aurait été mieux que tu te prépares pour le test de maths! Allons-y! Les filles, vous êtes en retard! Le test a déjà commencé! Alors, quelle est la bonne formule? Voyons voir. Hé, hey, tu triches! Chut! Ou Monsieur Hunter va s'en rendre compte. Quelle tricheuse! Ce n'est pas juste! Abby, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux. Oh, vraiment? Tadam! Tu es une si bonne amie, Avril. Merci, je sais. Ce sont des écouteurs tout neufs? J'ai hâte de les essayer. Oh, ça n'a pas l'air de marcher. Bizarre. Je vais essayer de brancher mes vieux écouteurs. Ils sont ici quelque part. Mais une minute. Avril, pourquoi tu es comme ça? La gentille Abby nourrit les oiseaux devant sa fenêtre. Mais Avril a l'air de préparer quelque chose. Il est temps de savourer mon repas. Qu'est-ce que c'est? C'est délicieux et croustillant. Bien manger est très important pour les étudiants. Et personne ne rate jamais l'heure du déjeuner. Oh non, j'ai oublié mon repas à la maison. Tiens, prends mon sandwich. Abby, merci beaucoup. Tu me sauves. Moi aussi, j'ai oublié mon repas à la maison. Tu partages avec moi? S'il te plaît. Bien sûr, voilà. Merci, c'est très gentil de ta part. Régalons-nous. On dirait que la gentille Abby va avoir faim aujourd'hui. Avril sait comment obtenir tout ce qu'elle veut. Merci, tu es très généreux. Oh, est-ce que c'est pour moi aussi? Merci. La mauvaise Avril ne se soucie que de son estomac, pas celui des autres. Attends-moi ici, je vais prendre un t-shirt d'une autre couleur. Je reviens vite. Oh non, ne me laisse pas seule ici. Alors vous êtes bloquée? Suivant. Pourquoi vous êtes si lente? Dépêchez-vous. Mademoiselle, vous voulez payer? Non, je ne veux pas. Pouvez-vous vous dépêcher s'il vous plaît? Que penses-tu de celui-ci, Lucie? Lucie? Tu vas bien? Pourquoi tu as mis autant de temps? Je t'avais demandé de ne pas me laisser seule.
Il est difficile pour une gentille fille de faire du shopping toute seule. La file d'attente est une véritable épreuve pour elle. Bonjour, je suis désolée. Je dois m'absenter une minute. Vraiment? Bon, c'est pas grave. J'ai une idée. Que fait cette fille là-bas? Une mauvaise fille n'a pas peur des files d'attente. Au revoir, loser! Quel culot! Avez-vous aimé notre vidéo? Alors donnez-lui un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche!